Et salut tout le monde, ici Logan 7218. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2. Alors la découverte des maps de Revelations. Alors le fameux DLC où ce qu'il offre pas mal de maps et tout. Venant du Season Pass ou de la collection. Après il va falloir du temps pour la collection. Alors j'espère que le bruit que vous entendez derrière ne va pas trop s'entendre. Bon, j'ai tendance à dire ça et en réalité on n'entend jamais rien. Mais bon, on sait jamais. Oui, je vais à la fois parler des maps, mais à la fois parler d'une chose importante qui s'est passée ces temps-ci. Je vais en profiter parce que là, j'ai beaucoup de, enfin, 2-3 vidéos à rattraper à cause de mon problème. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, le pack Révolution. Alors, moi, je suis sur Xbox et comme j'ai pris le Saison Pass sur Xbox, logiquement, enfin, ça sera pas comme la dernière fois. La dernière fois, j'avais pris le Saison Pass avec Sika sur MW3, sur PS3. Et rappelez-vous, chaque fois, j'avais les maps un mois après. Finalement, bon, ça valait plus trop la peine parce que les gens, ils avaient déjà les maps, ils les avaient déjà montrés, vous les avez déjà vus chez quelqu'un d'autre. Alors que là, je l'ai pris sur Xbox et normalement, je les aurais un mois avant PS3. Finalement, là, j'ai plus l'opportunité de vous montrer les maps avant même que vous les recevrez. Finalement, vous savez de quoi vous attendre et ça va peut-être justement vous donner envie d'acheter le Saison Pass. Alors, le Saison Pass donne accès à la découverte de Derise, de la nouvelle map en Chine ou au Japon, je sais pas trop c'est où, qu'on a pu tester, que j'ai même lancé la vidéo aujourd'hui. Hein. Il y a aussi un nouveau mode de zombie, ça s'appelle Infecté. Alors Infecté, ça veut dire vous êtes le zombie et vous devez attaquer l'humain. Le zombie qui attaque l'humain, eh ben, en réalité devient l'humain. Et ainsi de suite, le but est de tuer de plus en plus de humains et de gagner au final par les kills de fin de partie. Et en multijoueur, il y a 4 maps. Alors, on va dans DLC. Alors, il y a Downville. Alors, c'est un endroit en glace, tout simplement, enneigé. Mirage. Alors, map plutôt bizarre où il faut rentrer dans des sortes d'un complexe, comme ils disent. Hybride et Grind. Grind, c'est un truc de skateboard. Les petits ados font du skate. Ah oui. Alors, ça vous donne aussi accès à une nouvelle arme. Là c'est des classes par défaut. Je joue très rarement en local parce que là je l'ai fait en local. Je me suis dit au moins ça m'évite de me connecter. Voilà le pacificateur. Alors une arme automatique qui offre la précision d'une portée d'un fusil d'assaut, comme ils disent. C'est vrai qu'elle est pas mal, mais c'est vrai qu'elle bouge beaucoup quand on tire. C'est plutôt dommage. Et c'est ce que je trouve perd un peu la qualité de l'arme, quoi, on peut dire. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer une par une les maps avec mon bonhomme magique. Et après comme ça vous allez tous les voir, les 4. De toute façon ça, en 5 minutes on a le droit vraiment de tout faire, hein. Les maps sont pas énormes tant que ça non plus. Je vais en profiter justement pour en parler. J'ai eu un problème ces temps-ci sur pas sur ma chaîne mais sur mon PC. J'en ai parlé aussi sur la vidéo de... Attendez, je baisse le son parce que je l'entends fort, voilà. J'en avais parlé sur la vidéo de découverte de Derise, voilà, avec Sika et Avisher. Malheureusement, j'ai eu un problème comme un gros con parce que moi je passe énormément de temps ici pour mes montages et tout et tout. Et au final, j'ai tendance à me prendre un verre d'eau. Bon, voilà, tout le monde mange, tout le monde boit, quoi. Et au final, comme un gros con, mon bras a tapé dans le verre et le verre en réalité s'est renversé sur mon PC. Sauf qu'il faut savoir que moi, c'est un PC portable. Finalement, l'eau s'est renversée sur mon clavier. Et franchement j'ai eu très peur parce que c'est un PC qui m'a coûté près de 1000 euros. Et franchement c'est un Alienware et savoir qu'il était mort, c'est... Franchement j'étais démoralisé, quoi. Ça, il voulait plus s'allumer et tout. Pour vous dire il s'allumait plus du tout. J'ai essayé de l'allumer, ça marchait pas. Même avec la batterie il marchait un moment, mais après c'est fini, il marchait plus. Après d'une fois il s'est plus allumé pendant 2 jours. Et les claviers ne marchaient même plus et tout. Non, franchement, j'ai eu très très peur. Et au final, tout simple, on l'a fait sécher. Ouais, comme j'avais dit, le petit bout derrière. On l'a fait sécher. Et au final, on l'a fait sécher à côté d'un radiateur pendant 2 jours. Et maintenant, il va très très bien. Bon, 2 touches qui ne va plus. Ça m'ennuie fortement parce que c'est quand même 2 touches assez importantes. Et je vais essayer peut-être de m'acheter un clavier externe. Comme ça, je récupère mon clavier avec mes 2 touches. Tant que mon PC va bien, c'est déjà ça, quoi. Parce que franchement j'ai vraiment, vraiment très peur. Surtout qu'en plus il faut savoir que moi j'ai 2 PC. Évidemment je pouvais utiliser mon PC pour le dire un peu sur Facebook et tout. Mais mon PC où je fais mes montages, mes rendus vidéo et tout, c'est justement celui qui a reçu de l'eau. Finalement vous imaginez un peu, je me retrouvais sans PC. Je me suis dit merde, mes abonnés ils auront plus de vidéos. En plus les jeux ils arrivent, je vais être en retard. Putain je serai dans la merde, je vais devoir faire 40 jeux en même temps après.
Moi, parce que malheureusement, avec tous les jeux qui sortent, j'ai pas le temps vraiment de prendre un retard. Bon, on va quitter un peu cette main. Vous avez vu un peu à quoi elle est avec un joli bonhomme de neige. Ouais. Franchement, une belle petite map enneigée avec cette station de ski. Hein. Alors, belle petite map. On va quitter, on passe sur l'autre. Moi, ça m'évite de faire 40 montages. Au moins, on peut quitter tout de suite. De toute façon, c'est pas trop la mort. C'était peut-être chargement qui dure quelques secondes. Alors. Oui, comme je disais, c'est vrai que ça m'a fortement ennuyé parce que j'étais là. Mon PC où je fais tous mes montages ne marchait même plus. Il s'allumait plus. Franchement, un peur de ma vie. Et maintenant, il marche. Je suis bien content. Je vais pouvoir reprendre un peu tous les jeux que je comptais faire. Parce que bon, je dis pas non plus que les jeux arrivaient maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait la compile et tout. Au final, la compile, je pense qu'on la fera pas. Parce que c'est mort maintenant. On est le 31, rien n'est fait. Franchement, je pense que c'est vraiment trop tard pour la compile. Mais de toute façon, c'est pas comme si c'était une compile énorme. Il y a que deux jeux. Il y a Evisher. Il y a Max Anarchy et Devil May Cry. Alors c'est pas non plus une compile énorme. Malheureusement mon PC était vraiment pas prévu. Enfin à croire je l'imaginais que j'allais mettre de l'eau quoi. Finalement maintenant il marche. Je suis vraiment assez content. Je compte le dire sur les vidéos découvertes de infection, des choses ainsi. Je compte vraiment le dire sur au moins mes 3 ou mes 4 premières vidéos. Parce que enfin c'est pas très grave maintenant parce que maintenant je vais refaire mes vidéos comme je fais d'habitude. Comme ma moyenne de vidéos par semaine. Maintenant j'ai mon PC. Mais c'est vrai que j'ai pas pris non plus. Enfin, j'ai pas pris tant de retard que ça parce que la dernière vidéo date de 3 jours. Finalement, peut-être que vous, de votre côté, vous en êtes pas trop rendu compte que j'avais mon PC mort. Parce que mon but, justement, est que vous vous en rendez pas compte parce que je fais tellement de vidéos à l'avance qu'après, si je bouge rien, j'en ai quand même 10 en non répertorié. Alors, mais c'est vrai que ce qui m'a plutôt énervé, c'est que déjà d'un, je restais bloqué sur Devil May Cry alors que franchement, c'est... je pensais que ça allait marcher, mais Devil May Cry, je crois que ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est vrai qu'en plus, après, je me retrouvais sans vidéo, sans plus rien. En plus, vous avez vu, la dernière vidéo date de 3 jours. Bon, après, ça ne fait que 3 jours. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, plus faire de vidéos pendant 3 jours, c'est rare, quoi. C'est très, très rare. Parce que moi, je fais des vidéos tout le temps, tous les 2 jours. J'ai une moyenne, vous le savez bien, j'ai une moyenne active énorme, quoi. Moi, j'ai une vidéo tous les 2 jours postée sur ma chaîne. Et encore là, normalement, en mois de mars, ça va recommencer. Enfin, ça va être pire, même. Parce que là, je vais devoir faire un let's play avec Sika sur Dead Space 3. Un let's play sur Crisis 3 peut-être. Un let's play sur Tomb Raider. Bon, franchement, ça va être la fête, quoi. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Ça va être la fête. Et franchement, à ce qui paraît, on peut faire le solo à 2 d'Alien. Alien Colonial Marine. J'hésite de faire un let's play sur Alien, franchement. Mais c'est vrai qu'après, moi, ça serait contre moi, je ferais un let's play sur tous les jeux, mais... J'aurais tellement de let's play qu'après, je vais devoir m'arracher les cheveux pour les faire. Parce que j'aurais tellement de travail que je vais péter un câble, alors... Je pense qu'Alien, je vais peut-être laisser tomber ou peut-être le faire, mais plus tard, quand j'aurai au moins fini Dead Space, comme ça, je le remplacerai et je me retrouverai pas avec 9 Let's Play, quoi. Parce que j'ai vraiment pas que ça. Si vous regardez à droite de ma chaîne, vous allez voir tous les noms des Let's Play que je vais faire. Et il y en a encore quelques-uns que je compte peut-être faire. Alors, vous imaginez un peu le travail, quoi. Sans compter les découvertes, comme d'habitude, qui seront postées et tout. Ça va être vraiment la fête. Mais bon, revenons un peu sur les packs de Call of. Alors normalement ce pack, ça veut dire là on est sur la map Mirage, qui est une belle petite map, hein, un peu dans le désert comme on peut voir. Je sais pas c'est dans quel pays, tout ce que je sais c'est que ça se voit que c'est un désert, faut pas trop être bête, avec des beaux petits palmiers qui est très joli. Il faut savoir que, attendez on va quitter, voilà, Mirage est visité. Franchement une belle petite map, celle-là elle me plaît, l'autre aussi j'aime bien. Mais bon, trop enneigé je pense, on aura peut-être tendance à ne pas trop voir nos cibles, il suffit que le mec il a un camouflage blanc, on est dans la merde. Mais c'est vrai que... pour ceux, enfin logiquement si c'est quand même W3 en tout cas, vous allez vous avoir ces maps là un mois après moi. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hybride, voilà. Normalement, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr à 100% non plus, mais c'est vrai que normalement, vous allez avoir obligatoirement les maps un mois plus tard, si c'est quand même W3. Et je pense pas qu'ils auront changé leur système. Finalement, c'est justement pour ça que je voulais le faire sur Xbox. Parce que déjà, vous savez, maintenant, moi ici, quand on est passé sur Xbox, alors ça nous fait même rien d'acheter le saison pass, vu qu'on ne joue plus qu'à ça. Mais j'ai profité en même temps de me dire pourquoi pas en plus acheter le saison pass, parce que j'aurai les maps à l'avance et ceux qui sont sur PS3 ne les auront pas encore. Comme ça, moi déjà, je les aurai à l'avance, je pourrais m'amuser avant. Mais en plus de ça, ceux qui sont sur PS3, je vais pouvoir leur montrer les maps avant. Finalement, ça peut peut-être les intéresser, quoi. Les intéresser à l'avance, comme ça ils savent déjà à quoi s'attendre. Ou... Bon, voilà une exclu quoi. Finalement, maintenant
À ce niveau-là, normalement, il devrait pas avoir trop de problèmes. Il y a pas mal de gens qui s'attendaient aussi. Merde. Il y a pas mal de gens qui attendaient aussi mes vidéos découvertes et maps multi de Révolution et tout. Bon, avec mon PC, c'était vraiment pas prévu. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je les fais si tard, parce qu'elles sont sorties, je pense, déjà le 29, ouais, le 29. On est le 31. Finalement, si vous ne comprenez pas comment c'est sûr que je les fais aussi tard, parce que mon PC est vraiment mort. Je l'ai rallumé qu'aujourd'hui, pour vous dire. Je l'ai vraiment réessayé qu'aujourd'hui. J'ai vu qu'il marchait bien, il s'allume, il se réteint, il arrive à se rallumer. Bon, voilà, j'ai testé un peu tout. Et il marche correctement. Alors maintenant, les vidéos vont recontinuer comme d'habitude. Normalement, il devrait plus avoir de retard au niveau des vidéos, quoi. Parce qu'il faut savoir, mais des vidéos, c'est vrai que quand on dit comme ça, ce n'est que des vidéos. Enfin, moi, au début, je me disais que ça, en tout cas. Ce n'est que des vidéos. Enfin, après, il y a des gens, ils font n'importe quoi. C'est vrai, ils peuvent poster quand ils veulent parce qu'ils attendent rien. Alors, comment arrêter? Je dois suivre la date des sorties. C'est assez bizarre parce qu'il y a des gens, ils font des vidéos, un let's play sur un vieux jeu. Bon, eux, ils ont tout le temps, quoi. Ils ont vraiment tout le temps de faire le let's play. Mais moi, en réalité, je dois suivre la date de sortie. Ça veut dire, si un jeu qui sort le 30, je dois faire la découvrir le 30, quoi. Finalement, je dois suivre les dates de sortie. Contrairement aux gens qui font ça quand ils ont envie, ben moi, carrément, si le jeu il sort, je suis obligé. Enfin, c'est question que j'ai voulu m'obliger. Parce que moi, mon but était de vous montrer les nouveaux jeux, bien sûr, les jeux que j'achète. Je vais pas non plus acheter de la merde que j'aime pas, quoi. Mais comme j'ai tendance à tout acheter, dans tous les cas, vous voyez tout presque. Mais mon but est vraiment de montrer toutes les découvertes des meilleurs jeux et des nouveaux jeux. Comme ça peut aider. Et j'en ai aidé pas mal comme ça. Je suis assez content. Ma chaîne évolue bien en plus. Je suis monté à 2300 abonnés. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Parce qu'en là, en plus, ces temps-ci, j'ai monté grave, quoi. J'ai gagné 300 abonnés en je sais pas combien de temps. C'était assez violent, je trouve. Mais 300 abonnés en 2 semaines, je pense. C'était puissant, là. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. En tout cas, la vitesse où je suis avancé. Et beaucoup de vidéos vous attendent pour vous remercier de vos abonnements. De toute façon, voilà. Voilà. Pour faire simple. Alors, on va quitter. On va se retrouver sur la dernière map. Normalement, je pense qu'après... on va se quitter sur la dernière map visitée. Et on va se quitter en même temps. Enfin, je referai normalement, je pense, une vidéo tout de suite après sur le mode affection. Je le ferai en ligne, ça, de toute manière. Je vais essayer en tout cas de me mettre en ligne parce que là j'ai un problème de connexion, bizarrement. Et pourtant, je suis en ligne sur mon PC, mais j'arrive pas à me mettre en ligne sur l'Xbox. Je sais pas ce qui se passe, on va voir. Mais on va voir, je vais régler ça et je vais faire normalement une découverte sur affection. Alors le mode, faut savoir qu'infection se fait obligatoirement sur transit, sauf que c'est transit l'endroit où ce qu'il y a le restaurant. Alors où ce qu'il y a le bouclier pour ceux qui se retrouveront, c'est obligatoirement là que ça se fait le mode infection. On peut pas le faire dans un autre endroit, c'est bien dommage. Enfin, bon, c'est vrai que si ça aurait été plus grand, on serait un peu, on serait pas retrouvé quoi. Et le but est vraiment que le zombie bute l'humain et ainsi de suite. C'est ça, c'est drôle. Franchement, on a fait ça, moi ici, on l'a fait plusieurs fois et tout. Et franchement, c'est vraiment marré. Parce qu'on doit se créer des stratégies, on doit aller en zigzag et tout, exprès pour se buter carrément, buter la cible. Et c'est vraiment assez drôle. J'aime bien cette map aussi, Skate. Il suffit que vous vous mettiez ici dans le tube. C'est trop bien, je trouve. Cette map, je l'aime bien. Elle me fait même rappeler à une map qui était sur Black Ops. Je me rappelle plus le nom. Mais il y avait une map aussi sur Black Ops avec des skates. Enfin, un stand de skate comme ça. Par contre, je me rappelle plus le nom. Il fallait aussi avoir le pack. Mais franchement, ça me dit rien du tout. Bon, après, avec des chiottes, hein, comme on me laisse aime, hein. Alors, ah, c'est quoi? C'est pour sécher les mains, ça. Ça, c'est quoi? Ok, poubelle. Sécher les mains. Ah non, ça, c'est sécher les mains. Bah alors, c'est quoi, ça? Un pansement. Ah ouais, ok. Carrément, ils distribuent des pansements. Des toilettes. Faut savoir aussi qu'on est en 2025, alors forcément. Depuis quand on a une porte comme ça, nous? Ouais, c'est en 2025, c'est ça, hein, sur Black Ops. Parce que moi, à force de jouer à tous les jeux, j'oublie les dates qu'on joue dans le jeu. Comme c'est vrai que si on est en 2025, tout a fortement changé. Finalement, les chiottes sont limite électroniques. Moi, pas mal cette map, franchement. Moi, en tout cas, il n'y a rien à dire. Moi, je l'aime bien. Le pack, là, en tout cas, Révolution, j'en suis pas déçu. Moi, qui ne joue plus du tout à Call of. Parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui le savent. Avant, je ne jouais qu'à ça, c'était mon jeu préféré. Mais maintenant, j'ai arrêté, j'ai pris l'habitude de jouer au nouveau jeu, finalement. Maintenant, je ne suis plus ancien geek comme j'étais sur Call of.
Parce qu'avant, voilà, bon, pas il y a un an, j'étais pas non plus un monstre, parce que je commençais déjà à perdre la main, mais il y a 3-4 ans, moi j'étais un ancien geek, ça fait 10 ans que je joue au Call of Duty. J'avais un ratio, je crois que j'avais un ratio de 2,25, je me rappelle plus. Entre 2,25 et 2,16, je crois. Et au niveau des Flash Cops, c'était vraiment un massacre, quoi. Intervention et tout, ça passait nickel. Mais bon, après, voilà, j'ai pris l'habitude. En plus, voilà, à force, tu sais, ça vous fait chier, quoi, Call of. Et en plus, voilà, je me suis reconverti en joueur de nouveauté, comme j'ai commencé à gagner des sous. Et maintenant, carrément, quand je joue à Call of, je suis vraiment une merde, quoi. Tellement que j'ai perdu la main et tout, parce que j'y joue plus. Mais bon, voilà. On va se quitter là-dessus. On va se quitter justement sur la découverte des maps. Alors, des maps, franchement, de Révolution qui sont vraiment pas mal. Pour l'instant, là, en tout cas, du pack Révolution, j'en suis pas déçu du tout. Que ça soit. Enfin, allez, je suis pas trop joueur multijoueur maintenant, mais c'est quatre belles petites maps. Alors, dans tous les cas, elles sont pas mal. Il y a la nouvelle carte de zombies que vous avez pu voir avec Sika, que je vous invite à cliquer. Par contre, c'est sa vidéo, parce que malheureusement, quand je l'ai fait, mon PC est encore mort. Là, c'est vraiment mon PC, là. Là, il a vraiment revenu à la normale, je suis assez content. Je vous invite à regarder la vidéo aussi de la découverte de la map zombie d'Erice, qui est vraiment super. Même les atouts, pour vous dire, Mastodon, ils sont dans des ascenseurs. C'est vraiment assez stylé. Normalement, on va se retrouver tout de suite sur comment dire, le mode infection de transit. Alors, je vais essayer de le faire en ligne, on verra. On se retrouve peut-être à tout de suite, ou dans tous les cas, vous verrez la vidéo de infection. Peut-être plus tard, on verra. On verra quand est-ce que je la posterai, parce que moi j'ai tendance à les poster, alors ça se peut que vous la verrez 2 jours après. On verra. Franchement, on verra en tout cas cette vidéo. Là, je pense pas qu'elle va durer, je pense qu'elle va être postée tout de suite après l'upload. Enfin, le rendu. Et au moins, c'est fait. Parce que c'est une exclu, il faut savoir la montrer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, mes amis. N'hésitez pas à la partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à une prochaine aventure. Allez, salut tout le monde.